d'idées, de pensées, celles sociales. Dans les innombrables pensées que nous avons héritées de nos ancêtres, je ne doute pas que le moment est venu d'amorcer un grand changement vers une nouvelle humanité, plus égalitaire et solidaire, avec moins de différences, comme le souligne très bien le jeune Angolais Luzolo Longoji. Nous appartenons à une seule race, la race humaine. Cette armée de pensées macabres a besoin d'une armée d'idées qui prône des nouvelles pensées qui peuvent guider les générations futures sur un chemin nouveau et important. L'âme africaine, présente dans le monde entier à cette noble mission, car pour toutes les souffrances imposées au continent africain, nous de la race humaine devons habiller l'âme africaine, corriger les erreurs du passé et surmonter tous les défis qui, bien sûr, elles nous seront imposés, puisque quitter les lieux privilégiés tenus par une minorité à travers le monde, peut-être dans la série Mission Impossible, c'est une longue marche. Ces livres âmes africaines, je peux les considérer comme l'un des premiers et importants pas vers cette utopie merveilleuse et enivrante à transformer en réalité.